Salut à tous, je suis une fois de plus ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation manga et aujourd'hui nous allons nous attaquer à Merry Nightmare qui est paru chez Taifu Comics. Il s'agit d'un seinen du genre comédie tranche de vie réalisé avec les dessins et le scénario de Uchiki Yoshitaka. Faudrait vraiment que j'écrive mieux pour me relire, sinon c'est une catastrophe. Niveau parution, sachez qu'au Japon il y a déjà 16 tomes de paru, la série est toujours en cours. Dans cette aventure, nous allons découvrir que les rêves ne sont pas aussi anodins qu'il n'y paraît, ainsi que les cauchemars. On va découvrir que certains personnages que l'on a dans nos rêves qui vont être récurrents vont essayer tout simplement de prendre possession de notre corps afin de pouvoir aller dans le monde, entre guillemets, dans notre monde qui n'est pas irréel. Et dans cette aventure, nous allons découvrir le jeune Fujiwara Yumeji qui a la capacité, entre guillemets, de comprendre les auras des rêves. Alors dit comme ça, c'est un petit peu particulier, mais en gros, il peut aller dans le rêve de certaines personnes afin de les aider un petit peu à s'en sortir. Et bien évidemment, il va faire la rencontre d'une jeune fille absolument pétillante et délirante qui n'est autre que Merry Nightmare. C'est une fille extrêmement solitaire qui préfère être seule que de s'allier avec certaines personnes, donc si bien qu'elle rejette un petit peu tout le monde et elle préfère, faire tout simplement cavalier seul. Mais on va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire que finalement elle a un bien plus grand cœur que ça et que, un petit peu de compagnie ça ne fait jamais de mal. Niveau chara-design, c'est vraiment très très propre, j'adore vraiment les traits de l'auteur, c'est vraiment bien détaillé, c'est vraiment bien fait, bref, un chara-design absolument génial. Du point de vue édition, nous sommes chez Taifu Comics, donc évidemment le travail est de qualité. Nous avons à l'intérieur une page en papier glacé qui est absolument magnifique, que je trouve absolument génial, donc voilà, au niveau du papier c'est vraiment très très beau. Le manga est souple, facile à prendre en main, bref, c'est du véritable, c'est du bonheur, voilà, c'est génial. Personnellement, je savais pas du tout, entre guillemets, à quoi m'attendre au niveau de cette aventure. J'étais totalement intrigué par ces couvertures qui sont juste absolument magnifiques. Donc là, je me permets de toutes vous les faire défiler sur le côté pendant mon avis. Et très honnêtement, j'ai vraiment adoré ma lecture. Franchement, j'ai encore d'autres tomes à suivre, je les ai pas encore lus, ça viendra dans mon prochain bouquin, je pourrais peut-être vous en parler. J'ai vraiment adoré ma lecture, le côté de Merry Nightmare, elle est totalement fofolle, elle est vraiment géniale, elle m'a vraiment fait délirer. Il y a des combats qui sont certes assez rapides, mais qui sont vraiment entraînants, qui sont vraiment bien faits. La relation entre les personnages est vraiment drôle, donc voilà, c'est une série que j'apprécie déjà beaucoup, et j'en attends énormément. Évidemment, il y a déjà 14 tomes de sortie, donc le temps de la rattraper, ça prend un petit peu de temps. Mais c'est une lecture vraiment que je vous recommande. Il y a un petit peu de magie, entre guillemets, il y a des combats sympas. C'est vraiment un petit peu tranche de vie, il y a beaucoup de choses à voir, tout ça, le développement des personnages. Une intrigue qui est vraiment super sympa, les rêves et tout, c'est assez particulier, c'est vraiment bien fait. Bref, c'est une lecture que je vous recommande à tous si vous aimez évidemment les mangas de ce genre. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à laisser des commentaires, à laisser un pouce bleu, faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous.